Alors, je m'appelle Jean-Claude Arnoux, j'ai 61 ans, 3 enfants, je vis à Cholet depuis toujours, je suis né à Cholet, donc je suis un pur Choletais. Je suis président du badminton associatif Choletais depuis de nombreuses années et je suis aussi à l'origine de la création du club en 1987. Les deux, parce que je pense que mon investissement bénévole, il est lié au fait aussi que je joue beaucoup, je joue toujours, j'encadre, j'entraîne. Les deux, réponse de Normand, mais c'est vrai qu'on fait les deux, parce qu'on a une équipe élite qui joue en top 12 aujourd'hui, donc qui est dans l'élite du badminton français. Et puis on a aussi des sections, des créneaux loisirs, on accueille des personnes en situation de handicap, des seniors, donc on va de 6 ans à 94 ans. Je vais le placer plutôt dans les gros clubs, hein, puisque nous avons plus de 400 licenciés. Plus le niveau va monter, plus on va être performant, plus il faut être endurant pour pouvoir tenir les échanges. Après, il y a un côté tactique, un côté technique qui vient s'ajouter. Donc c'est un sport relativement complet. En simple, puisque la défaite, je la dois qu'à moi, comme la victoire. Je fais moins de compétition qu'avant quand même, avec l'âge. Mais je suis toujours acharné sur un terrain. J'étais le premier dans la famille à prendre une raquette et à jouer au badminton. Après, c'est devenu une affaire de famille puisque tous mes enfants ont fait du badminton et les trois ont fait partie du collectif France, donc à un haut niveau. Donc je pense que je les ai entraînés petit à petit dans cette pratique. Ma femme a joué aussi. Alors national naturellement avec le top 12, ça c'est sûr. Régional mais local aussi, enfin surtout local puisqu'on est très impliqué sur le territoire de l'agglomération du Choletais. On participe à un certain nombre d'événements, on a des conventionnements avec les résidences seniors, avec des IME, avec les maisons de quartier, avec le CAE de Cholet. Donc c'est une volonté du club d'être à la fois une vitrine du haut niveau, mais aussi un acteur local. Puis c'est quelque chose qui correspond aussi très fortement à nos valeurs. Le sport et puis faut pas hésiter à venir prendre la raquette, tout le monde peut jouer.